de tout ce qui pourrait amener à avoir des confusions de sens dans l'œuvre. Monsieur Frémont, vous avez la parole. Le thème de mon exposé, c'est bel et bien la problématique des non-dits. Alors, qu'est-ce que j'entends par problématique des non-dits? Vous avez suivi tout au début des cérémonies de cet après-midi, les uns et les autres reconnaître que, et sans doute à juste titre, que l'œuvre est achevée, mais non achevée. Et que cela laissait libre cours à diverses interprétations. Alors, je rebondis donc sur ces déclarations-là pour me poser une des questions de ma problématique, à savoir, a-t-on raison et jusqu'à quand de laisser une œuvre être interprétée, disons à tout hasard? Doit-on se livrer à une avalanche sans cesse de non-dits ou d'interprétations? Vous voyez que lorsque je me pose une question comme celle-là, mon exposé peut être plus long que tous les exposés que vous n'avez jamais suivis depuis votre naissance. Alors je vais faire l'effort de le condenser. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour les uns, on dit que Rudolf Manga est un martyr, c'est-à-dire quelqu'un qui a souffert et qui a été tué. Soit. Il y a un autre camp qui se dresse en face de celui-là pour déclarer que, attention, attention, Rudolf Manga n'a jamais été tué dans la mesure où c'est un personnage immortel. Ceux qui ont lu l'œuvre dès le départ ont dû être sensibles à tout le cérémonial, j'allais dire tout le rite, tous les rites à travers lesquels il est passé et grâce auxquels on lui a conféré des pouvoirs d'immortalité. Alors vous voyez que nous sommes là devant un dilemme, une opposition, une antithèse. On ne sait donc quel est le camp qui a raison. D'où les interrogations que j'ai formulées pour concevoir ce thème. Alors, en face de ces deux camps, le camp de la pendaison, d'une part, et le camp de l'immortalité, d'autre part, il faut déjà se rappeler une chose, c'est que l'œuvre se déroule comme une longue antithèse. Pourquoi? Parce que on commence par l'intronisation, donc l'élévation de quelqu'un, donc l'apothéose, mais à la fin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on enregistre? C'est l'opposé, l'emprisonnement, la disgrâce et même les pleurs d'un si haut personnage. Alors, moi je me suis également posé la question, cet homme qui est si élevé dès le départ et qui devient entre guillemets si petit à la fin de l'œuvre, puisqu'il pleure, puisqu'il est emprisonné, et il est même potentiellement condamné, est-il réellement le goum dont on nous a parlé au début de l'œuvre? Cette idéalisation est-elle au sens propre du terme? Donc, voilà déjà les questions que je me suis posées qui m'ont amené à rassembler tout mon exposé en deux axes. Le premier axe, c'est que je voudrais attirer votre attention sur l'existence d'un certain nombre de textes que vous devez connaître, qui nous donnent le droit d'interpréter les textes. Voilà pourquoi mon premier axe est intitulé les fondements théoriques des non-dits. Alors, dans le deuxième axe, il est question de m'appesantir sur les occurrences précises des non-dits dans l'œuvre qui fait l'objet de notre réflexion. Alors, pour le premier point, les fondements théoriques des non-dits, là, je m'attarde simplement sur deux aspects pour respecter le temps qui m'a été accordé.
Alors là, l'expression non-dit, hein, est d'ailleurs une expression que les élèves de terminale doivent prendre au sérieux, puisque ça fait partie des notions que les élèves de terminale devraient aborder, tout au moins dans les établissements où le projet pédagogique a prévu cette notion-là. Alors, donc, quand on parle de non-dit, on voudrait faire allusion à ce que les autres vont appeler, tôt ou tard, les contenus latents. Les thèses implicites, les présupposés et les sous-entendus. Donc, tout ce qui est message caché entre dans la logique du non-dit. Autrement dit, il y a des choses qu'il faut comprendre au-delà de ce qui est écrit lorsque vous lisez, ou alors au-delà de ce qui est vu lorsque vous regardez la présentation théâtrale. Je vous prends un exemple. Dans la pièce, on nous signale que peu avant l'arrivée de Rodolphe Dolamanga dans sa famille, au temps d'une heure, vous venez dire présenter ses adieux, les chats et les chiens ont crié toute la nuit. Alors, il a fallu être comme un Jobel pour pouvoir décoder ce message caché, à savoir l'annonce d'un événement macabre, ou funeste tout au moins. Voilà des non-dits signalés par les animaux. Bon, maintenant, le deuxième aspect de mon premier grand thème, à savoir mon premier grand sous-thème, les fondamentaux des non-dits. Le deuxième aspect, c'est les théories sur les non-dits. Autrement dit, quels sont ces quelques textes-là sur lesquels nous devons de temps en temps nous appuyer pour justifier pourquoi nous osons interpréter les textes. Nous osons valider les non-dits. Alors, il y en a beaucoup. Le temps ne nous permet pas de les énumérer tous, mais je veux quand même évoquer quelques noms qui doivent déjà soit sonner dans vos esprits et être votre lot quotidien. Par exemple, Michel Butor, il a écrit un très beau livre, Le vol du vampire. Et dans Le vol du vampire, il dit à peu près ceci. Un livre n'a pas un auteur, mais un nombre infini d'auteurs. Et je saute pour aller plus loin, parce que c'est dans la même citation, où il conclut que le livre est un monde imaginaire où se mêlent indistinctement les intentions de l'écrivain et les fantasmes du lecteur. Et ça, ceux qui ont les commentaires du programme du second cycle, vous retrouvez un bel extrait là, à la page 16. Alors vous voyez que cette citation que j'ai évoquée doit déjà focaliser nos attentions sur deux faits. L'écrivain produit et le récepteur doit réagir. Et c'est sur la base de la réaction ou des réactions du lecteur qu'il y a naissance des non-dits et des interprétations. Enfin, on doit savoir également que ce qui nous permet de nous appuyer sur les théories des non-dits, c'est par exemple le fait qu'on reconnaisse tout le temps que ces non-dits-là, ces significations qu'on ajoute, apparaissent comme des vibrations sémantiques greffées sur le message dénoté. Les vibrations sémantiques greffées sur le message dénoté. Et enfin, on doit savoir à ce niveau-là que face à un texte qui présente une inévitable opacité, le lecteur doit prendre la responsabilité de construire le sens, cerner les non-dits. Un bon lecteur, un lecteur actif, doit nécessairement s'intéresser aux non-dits. Car les non-dits contribuent à la construction progressive du sens du texte. Alors, le dernier grand point que j'ai évoqué au niveau de mon introduction, ça concerne les quelques occurrences que je voudrais bien évoquer pour respecter le temps qui m'a été accordé. Les quelques occurrences des non-dits dans l'œuvre de David Banga Yongwan. Alors, j'ai voulu bien les situer à cinq endroits
parce que je sais que c'est une invite que je vous adresse, lorsque vous lirez vraiment le, d'abord au niveau du titre. Quand on ne lit pas très bien le titre, quand on ne lit pas avec attention le titre, on commence par s'égarer à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont été dites, sans doute qui seront encore dites, mais qui ne correspondent pas nécessairement à l'intention ou aux intentions de l'auteur. Alors, au niveau du titre, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, selon la traduction que vous prenez, si c'est la première, celle de Benezer Djamboulé, il nous dit que le titre idéal, c'est Rodolphe Mangabel, patriote et martyr. Version 1986. Maintenant, l'édition de 2014, que nous avons à nos mains depuis un certain temps, a plutôt choisi un autre titre. Rodolphe Mangabel, la foi inébranlable. Vous voyez que quand vous prenez seulement les deux titres pour un seul livre, il y a déjà des interrogations, des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire? Ou qu'est-ce que ceux qui ont choisi cette tradition-là ont voulu vraiment dire? D'où l'importance de la vision que j'ai menée sur les non-dits. Alors, ce qui est sûr, c'est que le titre de 2014 ne fait pas du tout allusion à la foi FOI de Ghos Adin, ni à celle des autres martyrs, je veux dire des autres combattants. Mais on veut juste faire hommage à un seul homme, Rodolphe Mangabel. Au niveau des didascalies, les didascalies nous disent que, du moins la toute dernière, hein, parce que je vais droit au but, la toute dernière nous dit que voilà Manga sort et prend le chemin qui le conduit à la prison. Là, il vient de rendre visite à sa famille et le texte ajoute impuissant. Anjo Bel le regarde sortir pendant qu'il sort en scène en pleurant. Et le dénouement lui-même renforce l'un et l'autre propos que nous venons de tenir. Dans la mesure où ce dénouement-là, au lieu de trancher net la question de la pendaison que l'on attendait, qui a été programmée à la suite du verdict du tribunal, eh bien, le dénouement est beaucoup plus marqué par le suspense, par l'angoisse, par l'attente embarrassante. Au lieu qu'on nous montre de manière claire la scène de la pendaison prévue à 16h, nous assistons plutôt à un coup de théâtre, sorte de ralentissement sans issue, selon croyez voir se réaliser. Bon, je vous invite aussi, dans vos lectures, à veiller recenser les figures de style, ô combien nombreuses. Parce que les figures de style, ce sont parfois des images qui sont tout le contraire de ce qu'il faut comprendre, qui véhiculent des non-dits. Je prends seulement un cas qu'on qualifie d'ailleurs, qu'on classe dans la catégorie des allégories. Le personnage de Rodolphe Mangabel devient l'incarnation d'une idée, c'est-à-dire que vous avez là l'allégorie qui traduit la représentation concrète d'une idée abstraite à travers un personnage concret. Alors, on peut tout dire de lui, hein. Il est l'incarnation de la fidélité, de la résistance, de l'intégrité, de l'honnêteté, de la foi, etc. Tout ça sont des valeurs abstraites liées à un personnage concret. C'est de l'allégorie, cela. Alors, enfin, pourquoi y a-t-il des confusions entre le fait que l'écrivain n'a pas tué son personnage, mais il a plutôt suspendu la scène, qu'il n'y ait pas exécution sur scène. Ce sont surtout les paratextes qui nous induisent à accepter que Rodolphe Mangabel a été assassiné. Et l'histoire pure aussi nous conduit à admettre cette hypothèse-là, qui n'est pas explicitement présenté dans l'œuvre. Donc,
La mort de Rodolphe, dont on parle tant, c'est le résultat de nos allusions. C'est le résultat de nos fantasmes de lecteurs. C'est le résultat de nos analogies. C'est le résultat de nos déductions. Pire encore, c'est le résultat de la confusion entre l'œuvre littéraire et l'histoire réelle du Cameroun. Heureusement pour nous, un lecteur avisé comme Laurent Esso, ministre d'État, par ailleurs une personnalité assez forte du cercle Gondo, dit et écrit ceci. Fort heureusement, Laurent Esso essaie de mettre le lecteur et même le spectateur en garde contre l'assimilation radicale de l'œuvre avec l'histoire. Selon lui, Laurent Esso disais-je, l'œuvre littéraire ne doit pas, et je le cite, se substituer au manuel d'histoire. Il ajoute, s'agissant de notre pièce, c'est une forme fictionnelle au terme très intéressant, c'est-à-dire que ça relève de l'imagination, c'est une forme fictionnelle au destin tragique du prince Rodolphe Douala-Makabène. Et il termine par, c'est une séquence historique, ça veut dire que ce n'est pas toute l'histoire, c'est une séquence historique riche de symboles pour la future nation camerounaise. Donc, ne cessons pas de considérer Goumandjéa comme une œuvre esthétique d'abord et essentiellement comme œuvre esthétique qui recherche de l'art. Ne la confondons pas et ne la réduisons pas à la simple dimension du monde vécu dans la réalité. Alors, s'il m'était donné de conclure en une minute, monsieur l'inspecteur. L'originalité de David Manga Yongwan, c'est d'avoir créé un véritable coup de théâtre parfait en ne faisant pas mourir son héros tel que prévu. Prévu pourquoi? Parce que déjà dans l'œuvre, on nous a présenté une scène au cours de laquelle le verdict a été prononcé avec l'heure précise à laquelle il devait mourir, par pendaison. Il semble même l'avoir immortalisé, tout au moins dans nos esprits. L'œuvre de David n'est pas un livre d'histoire, mais une œuvre littéraire qui lui fait de non-dit, où l'auteur a réussi, sans doute, à amplifier le sentiment tragique chez le lecteur ou chez le spectateur. Face à toutes ces horreurs du fait que les autres combattants ont été bel et bien assassinés, l'auteur semble prôner la non-violence. Là encore, c'est un non-dit. La solidarité. On le sait dans l'histoire des auteurs dramatiques, tels que Jean Racine, ou même plus près de nous, Aimé Césaire, ceux-là ont explicitement dit que leurs auteurs, leurs héros, ont été assassinés. L'assassinat de Britannicus d'Anglicanicus est raconté dans l'œuvre. L'assassinat du roi Christophe dans la tragédie du roi Christophe est également raconté dans la tragédie du roi Christophe. Il en est de même. Dans la Croix du Sud, on nous rapporte comment Wilfrid a été assassiné au carrefour, dans un carrefour. Pourtant, David Manga, pour sa part, a opté pour un engagement non violent. Probablement parce que ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, ce ne sont pas ces scènes horribles où l'on détruit les vies. Notre monde aujourd'hui, nous le croyons, nous avons beaucoup plus besoin des gestes de tolérance, de paix, d'entente entre les peuples. Je peux même d'ailleurs vous renvoyer, pour terminer, à des propos d'un personnage que vous connaissez bien, dans la Croix du Sud, dans notre
ministère qui avait déjà entrevu cet idéal, savoir que toute force est précaire. Vous comprendrez très vite qu'aucune entreprise humaine n'aboutit qui ne recourt à la puissance de l'amour. Il existe d'autres moyens que la haine et la violence. C'est là que je termine mon propos en vous remerciant de m'avoir écouté.